Moi, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire! Yeah! Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour notre vidéo hors du commun. Mes frères et sœurs, c'est pas réel! Tout ce que nous allons voir ici, ça va même vous étonner. L'argent mystique! Waouh! Qu'est-ce que c'est que l'argent mystique? Nous allons tout voir ici. Et vous serez même plus surpris que surpris, parce que nous verrons, mes frères et sœurs, sur cette terre, pour avoir de l'argent, il faut travailler dur. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais le diable propose des choses aux gens pour que ces derniers puissent juste avoir de l'argent facile et rapide. Et pour avoir cet argent, il faut forcément faire des pactes avec les démons. Mes frères, c'est ce que vous allez voir ici. Ça va même vous étonner. Suivez-nous en studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche en dessous de cette vidéo. Bon, cliquez sur abonner. Il y a une cloche aussi à côté de s'abonner. Cliquez sur la cloche. Abonnez-vous et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Regardez même là, nous sommes en train de parler. Waouh! Mais quand on regarde ici, qu'est-ce que c'est que ça, mes frères? Wouh! Regardez-moi ça. Comme vous le voyez, il s'agit de l'argent mystique. L'argent mystique, sérieux? Mais bien sûr que oui. L'argent mystique est ici. Et c'est la partie numéro 2. Comme vous le voyez, tout ce que vous voyez là, ce sont des liasses de billets de banque. Et même Yon Scribon se pose la question, mais comment c'est possible, comment ça se fait? Ce qui est sûr, mes frères et sœurs, c'est que dans cette vidéo, nous verrons des choses qui auront l'air d'absurde, d'incroyable. Ah, dans le monde des esprits, on dit toujours que tout est possible. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mes frères et sœurs, ne soyez pas séduits par les choses que vous voyez dans notre monde. Parfois, les choses que nous voyons dans notre monde sont des choses que le diable utilise pour pousser les gens même à faire de telles signatures, de tels contrats avec les démons, même avec le diable. Nous devons vous montrer toutes ces choses pour que vous soyez de plus en plus prudents. Suivez-nous, les frères et sœurs. Regardez ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est joli, t'es! C'est la même réaction que vous avez la plupart du temps. Mais ça, ce sont des tas de ferrailles. Mais à première vue, c'est là pour vous servir, pour vous aider. Mais c'est éphémère. Mais pour avoir ça, il faut forcément de l'argent. Regardez même ça. Vous voyez? Tout ça, ce sont des belles choses. Regardez même encore ça. Vous voyez? C'est réel. Ce sont des choses qui coûtent très cher, des millions de dollars, des millions d'euros même parfois. Et les gens veulent vraiment avoir toutes ces choses parce que ça plaît et c'est magnifique. Nous tous, on aimerait avoir de telles choses. Mais pour avoir ça, il faut vraiment travailler dur. Comme vous le voyez, c'est à cette star-là qui a eu la possibilité de s'acheter une voiture. Combien coûte cette voiture? Est-ce que ça coûte 1 million ou bien 300 000 dollars ou plus de 300 000 dollars? Ce qui est sûr, c'est que ça vaut de l'argent. Et pour avoir l'opportunité d'acheter toutes ces choses, il y a des gens qui sont prêts à faire des trucs terribles. Regardez ça. Quand on a toutes ces choses, la plupart du temps, ça impressionne les gens. Peut-être que vous-même, vous êtes déjà impressionné. Parce que vous êtes même en train de voir ici. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez uniquement travailler dur. Si vous voulez fermer la bouche des gens, ce qui même est parfois inutile, il est préférable de travailler dur. Regardez comme les gens sont à côté, si je veux même la prendre en photo. Regardez là. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir facilement.
Le Seigneur notre Dieu nous demande d'amasser les choses qui sont dans le ciel, les trésors dans le ciel. Parce que toutes ces choses sont les trucs de la terre, c'est éphémère. Comme vous pouvez le voir encore, une autre personne. Et cette personne est bien barrée devant sa voiture. Et c'est aussi sa fierté. Parce que dans notre monde, quand vous avez de telles choses, on vous voit en grand. Parce que de toute la façon, ce sont que les superstars ou les super-héros qu'on est tous pareils. Waouh! Le nouveau monde. Et ces choses sont vendues. Voilà. Et les gens sont prêts à tout pour avoir juste cet tas de ferraille. Les gens sont prêts à tout pour avoir juste toutes ces choses que vous êtes même en train de voir à l'écran. Mes frères et sœurs, c'est réel. Il y a l'innovation. On nous dit même dans certains témoignages, puisqu'on reçoit que le diable fait exprès pour qu'on invente de telles voitures, de telles choses, afin de séduire le monde et les amener vers lui. Et si vous pensez que c'est de la blague, vous allez découvrir des vraies choses maintenant, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt? C'est là que nous allons voir quelque chose de magique. Mais que cela ne vous effraie pas. Si vous savez que vous aurez peur, regardez la vidéo suivante. Est-ce qu'on est d'accord? Là, on est d'accord. Et si nous sommes d'accord, mes frères et sœurs, nous sortons dans le jeu. Regardez ça. Un homme qui est ici, avec un truc qu'il appelle une calebasse. Non, 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 c'est pas une calebasse. C'est tout simplement une valise. Et vous pouvez voir que dans cette valise, il y a plusieurs courriers pour chaque extrémité, comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va tout nous expliquer ici. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Écoutons-le maintenant. Écoutons-le bien. Chers amis, comme je vous avais dit au début, je vais vous montrer comment j'ai pu m'en sortir avec tout ce sort. Voilà. Vous voyez? C'était vite au début. Comme vous le voyez, la valise est vide. Et ce que cette personne a tenté de faire, c'est qu'elle a tenté de faire un rituel. Pour y arriver, elle doit utiliser un parfum. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Et son objectif, c'est de faire en sorte que cette valise puisse produire beaucoup d'argent. Regardez bien. Quand vous voyez la valise est vide, et il fait le rituel, il possède des choses assez bizarres à l'intérieur, et il va fermer la valise. Voilà, et le rituel continue. Comme vous le voyez, c'est réel. Voilà. Et il ferme carrément cette histoire. Très facile de faire l'argent pour moi avec mon opinion. Quoi du parfum qu'il aspire sur le tissu qu'il a poussé sur la valise. Et le rituel continue. Comme vous le voyez, là, les choses vont maintenant devenir visibles. Et là, boum, de l'argent apparaît dans la valise. Comme par magie. Bon, c'est de la magie.
Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais c'est réel. Il va même toucher ce billet. En fait, c'est là ce billet de banque. Et vous voyez, comme vous le pouvez le voir, il prend de l'argent. Et ce sont des millions, hein. 1 million, 2 millions. 6, 7, 8, 9, 10 millions. 10, 10, 11 millions. 12, 13, 14, 15. Chers amis, avec un moment à 10 millions, je vous suis que c'est rien que du bonheur. Et il vous assure que c'est rien que du bonheur. Et son bonheur ressemble à ça, avoir beaucoup d'argent. Regardez ça, écoutez-le. Bonsoir tout le monde. Je suis là ce soir juste pour vous montrer quelque chose. Au début, moi aussi, je n'avais pas cru. Mais maintenant, j'envoie ça là juste pour remercier mon Atimako. J'avais vraiment, vraiment problème de l'argent, mais il m'a proposé quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà les résultats, ce que ça a donné. Il dit que quelqu'un, son mentor, lui a proposé quelque chose et qui a produit cet argent-là. Maintenant, vous allez voir qui est son mentor. Qui pourrait être son mentor, mes frères et sœurs? Quelqu'un qui y a, cherche de l'argent venant des démons. Qui pourrait être vraiment son mentor? L'argent venant des démons. Et c'est là. Vous allez voir que là nous allons partir dans une chambre secrète où nous allons voir un homme mystique qui va tout simplement faire des trucs terribles avec une valise que vous pouvez voir que les âmes sensibles s'abstiennent. Regardez ça, il est ici et là c'est dans une chambre où un rituel aura lieu. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? Et la valise qui est ici, elle est vide. Mais c'est le même scénario hein, qui va se produire. Bon, ça va aller. C'est le même truc qui va se produire. Regardez bien ça, regardez bien ça, regardez bien ça. Comme vous voyez, la valise est ici. Et elle est vide. Bon, vous pouvez penser que c'est de la blague. Mais regardez ça. Regardez bien. Et le rituel commence. Voici comment il fait. Voilà, ils sont nombreux, hein, et sur internet on peut les retrouver facilement même. C'est pourquoi vous devez faire très attention. On dit que pour avoir de l'argent, il faut travailler dur et il nous parle de la valise magique. Cette valise qui permet d'avoir de l'argent facilement. Encore de Cory. Là, c'est une collaboration directe avec les esprits. Regardez, regardez bien. La valise est bien évidemment vide. Vite comme monsieur, vite, vite comme monsieur, vide. Regardez bien, vite comme monsieur, vide. Et comme vous pouvez le voir, il a commencé ses rituels. Vous ne voyez rien. On peut juste voir, juste là derrière, des bougies allumées et certaines choses. Et il utilisera encore du parfum. Bien, nous avons fait une vidéo pour vous parler de parfums, les parfums utilisés lors des rituels et tout ça. Vous pouvez également regarder cette vidéo pour en savoir plus. Mais il y a certains parfums que nous voyons sur le marché qui sont carrément utilisés pour des rituels. On dit les parfums qui apportent la chance, ou encore le succès, ou encore le bonheur. Toutes ces choses, ça vient du diable, c'est démon. Et regardez ce que les gens sont obligés de faire. Un rituel. Comme vous le voyez, il va refermer la valise et vous verrez quelque chose qui va se produire. Comme vous pouvez le voir, c'est pas de la blague, pas de la fouille, c'est bien réel. Regardez bien. Waouh! Que cela ne vous étonne pas. Même le démon peut faire des miracles. Même le diable peut faire des miracles pour vous impressionner. Que cela ne vous étonne pas. Ne vous, a,
ne vous émerveillez pas. Vous devez juste comprendre que ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Comme vous le voyez, la valise est encore vide. Même plus vite que vide. Voici ce que les gens font pour avoir de l'argent. Et quand ces gens vont vous donner de tel argent, si vous êtes par exemple leur frère ou leur cousin, si eux vous donnent de tel argent, si vous pensez utiliser cet argent pour investir dans une activité, vous vous trompez. Ça ne va pas marcher. Il faut plutôt prendre ce qu'on appelle votre étoile, votre grâce. Les gens vont prendre votre chance. Voilà, c'est votre grâce. Ils vont prendre, la captiver. Pour la récupérer, il faut prier et demander à Dieu de vous vraiment délivrer. Parce que vous êtes lié à des rituels, des cérémonies. Et regardez, vous pouvez voir des bonhommes, des gens comme des hommes. Ce sont des représentations des humains, ce sont des hommes, des esprits qui sont là. Ou l'esprit des gens qui sont utilisés pour les rituels. Pour que l'argent puisse venir, ou encore la valise, puisse produire de l'argent. Une valise ordinaire ne peut pas produire de l'argent. Si cette valise arrive à produire de l'argent, c'est que cette valise-là est ensorcelée ou est possédée par un mauvais esprit ou un démon qui est celui-là même qui positionne de l'argent dans cette valise. Tout à coup, la chambre devient toute noire, vous voyez. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé. On peut même voir que l'ampoule s'est éteinte. Ça peut paraître bizarre, vous pouvez même penser que c'est de la blague. Mais il continue sa cérémonie. Ça allait prendre plusieurs minutes. Mais il continue son rituel. Voilà. Que va-t-il se passer? Il allume. Il va allumer quelque chose, on dirait. Puisqu'il a une boîte d'allumettes. Voyez-vous? Regardez bien de sa main. Voilà. Il va allumer un truc. Il va allumer. Un truc dans le petit pot qui est juste en bas. N'appelez pas le numéro. Hein. Voilà, il allume. Comme vous l'avez, il vient d'avoir pas. Il ne veut pas que vous voyez le contact et tout ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Waouh! Et de l'argent apparaît à l'intérieur. Et de l'argent apparaît à l'intérieur. Et sur cet argent, il va encore verser du parfum. Vous pouvez voir ce parfum sur le marché et l'acheter même. Vous pouvez voir le parfum sur le marché et l'acheter. Il y a des parfums mystiques, des parfums qui sont utilisés pour des rituels. Et regardez, tout ça c'est de l'argent. Et il va prendre cet argent pour nourrir sa famille. Partager aux gens, acheter des grandes voitures, des voitures de luxe. Et vous allez le voir. Et vous risquez de l'envier. C'est pourquoi vous ne devez pas envier les gens. Vous voyez ce que les gens font en secret. Faites attention. Voici une valise qui produit de l'argent. Tu vas peut-être dire que ce sont des faux billets. Ne même pas te tromper. Ce sont bien évidemment de vrais billets. Mais des billets qui viennent du monde des ténèbres. Et c'est exactement ce que ce dernier là nous a présenté dans la vidéo précédente. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais ce sont des choses, ce sont les choses qui sont en train de se multiplier par ci et par là sur internet, comme vous pouvez le voir. Alors, sans trop parler, mes chers amis, je vous donnerai aussi le secret. Et il veut nous donner le secret, il veut lui aussi partager son secret
avec nous. Et c'est là le danger. Ce que le Dieu m'a proposé. Pour avoir tout cet argent, voici ce qu'ils m'ont proposé. Vous voyez? Et ça, c'est ça qui m'a donné tout ça. Ce que vous voyez ici. Regardez. C'est ça qui a tout donné. Vous voyez? Tout ça là. Tout ça pour vous séduire. Alors, ne vous hésitez pas, vous verrez à la suite. Voilà. Et c'est ce que nous avons vu. Mes frères et sœurs, voici le danger. La plupart du temps que nous faisons des témoignages puissants, que nous tombons sur des tels témoignages, les gens sont là, ils sont en train de dire, le témoignage est vrai. Mais est-ce que ce que tu es en train de nous montrer là maintenant, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Mais regardez vous-même, ce n'est pas du fait. Vous voir. Là, ils disent, ah, non, c'est bon, tout ce que tu nous montres, c'est extraordinaire. Grâce à Dieu, on permet, nous voyons des trucs pareils. Et franchement, nous croyons. Merci, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est même vrai? Mes frères et sœurs, vous avez vu de vos propres yeux. On nous dit que le diable fait aussi des miracles. Il fait de la magie. La magie vient de lui. Mais pour pouvoir faire de telles choses, il faut des sacrifices. Et c'est là le bas blesse. Les esprits seront sacrifiés. En fait, des âmes seront sacrifiées, des gens seront tués. Et c'est le résultat que nous verrons ici. Quand vous entrez dans tel truc, on vous dit, vous venez, c'est extraordinaire, vous voulez avoir de l'argent, c'est bien. Vous pouvez avoir de l'argent en travaillant dur, mais vous voulez pouvez aussi avoir de l'argent en suivant ceci. Soit vous tuez quelqu'un et on utilisera son esprit pour vous faire de l'argent, ou vous vous mariez en un esprit. C'est-à-dire que quelqu'un peut se marier en une sirène. Ou prendre une femme sirène qui est un démon et positionner cette femme sirène dans sa maison, dans une chambre de sa maison, comme la chambre de rituel en rouge que nous avons montré. Et puis une fois que vous avez positionné là-bas, la sirène, elle va même produire de l'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Est-ce que ça c'est petit? Regardez-vous-même. Ce sont des millions que vous pouvez voir ici, des millions. Hein? Des millions. Regardez ce que le Dieu m'a proposé. Des millions. Ça peut vous paraître étrange, ça peut vous paraître inadmissible, ça peut même vous étonner, même ça peut vous séduire. Mes frères et sœurs, ne soyez pas séduits par toutes ces choses. Si nous avons monté cette vidéo, c'est parce que c'est en train de telles choses sont en train de remplir Internet. Ces choses sont en train de remplir Internet au point où ça devient facile de rentrer en contact avec ça. Il y a des gens qui les appellent. Comme ce gars a dit que lui, il a appelé et puis on lui a donné ça. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'argent que vous allez consommer au travers de ça, là, à un moment donné, cet argent va consommer un membre de votre famille. Et à un moment donné, deuxième membre de votre famille va mourir. Maintenant, quand la famille sera déstabilisée, là, la personne maintenant que ça va consommer au final, ce sera vous-même. C'est-à-dire que cet argent-là, va vous dévorer. Et une fois que vous serez mort, l'esprit qui donnait cet argent, ou encore le démon qui donnait cet argent, va chercher d'autres personnes, ou encore une autre personne, pour prendre votre place. Et c'est là, ils vont venir sur Internet pour vous montrer de telles choses avec des numéros, même des sites Internet, où ils vont vous proposer toutes ces choses. Hier, on a parlé de la calebasse magique, on avait parlé du porte-monnaie magique. À la fin de cette vidéo apparaîtra ici. Regardez là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Et soyez même plus prudent que prudent. Il faut être vraiment vigilant. Tu as besoin d'argent, travaille-tu. Tu as un boulot, tu veux évoluer, que Dieu t'aide. Prie et continue à travailler et Dieu va t'aider. Mais ne tombe pas dans tel piège. Ça existe. C'est bien réel. Regardez même. Regardez. Waouh. Quel monde.
Nous sommes dans un monde terrible. Et ces choses existent vraiment. Faites attention à vous. Faites attention à votre vie. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Prenez soin de vous.